Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo voilà, sur ces plateaux Autolode. Après juste le petit bémol, il faudra les décharger manuellement. Vous pouvez les décharger sur le plateau, mais pas à droite, pas à gauche. Donc voilà, vous avez pour balle ronde, balle carrée, donc on va voir ça ensemble. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé dans le MOLUB, voilà, vous allez dans la catégorie chargeuse, chargeuse de balles. Voilà, c'est le Lizard 8 mètres. Donc vous pouvez mettre des balles rondes de 125 à 180 cm et des balles carrées de 120 à 240 cm. Voilà, après vous n'avez pas beaucoup de choix. Donc voilà, vous avez les marques de pneus, donc Michelin, BKT, Wallerstein, Continental. Voilà, quelques marques de pneus. Ensuite, différents, voilà, par exemple, les échelles droites, ça sera plutôt pour les balles carrées. Et après, voilà, vous avez plusieurs extension voilà plus ou moins rallongée voilà, pour mettre un petit peu plus de balles si vous voulez les charger manuellement et le choix de la plaque. Donc voilà. Donc là, il ne les prendra pas parce que voilà, ce n'est pas le même type de balle. Donc voilà, vous voyez, hop. Et quand je veux les décharger, voilà, j'ai pas le trigger qui, la fonction droite ou gauche. Voilà, en appuyant sur L1. Donc je peux simplement les décharger sur le plateau. Et après, ben voilà, il faudra que j'aille voilà, avec ma fourche ou mon télescope les enlever. Donc voilà, et puis pour voilà, vous mettez à peu près 18 balles dessus. Là, c'est des balles rondes de 150 cm. Et pareil, hein, voilà, je ne peux pas les décharger à droite ou à gauche. Donc, il me faudra simplement mettre le télescope ou la chargeuse en route pour les décharger. Donc voilà, j'espère que ce petit mode vous sera utile. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!